amoureux. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres, carmin, j'aurais dû cette lettre. Bonjour les amoureuses, nous sommes les enfants de l'école de Villiers-le-Sec. Notre émission fait partie de notre projet Paroles en Liberté. Nous avons écrit à des messieurs et madame Mo. Nous avons eu des réponses, dont celle de Delphine Mo, qui nous parle d'amour. Voici d'abord la lettre que nous avons envoyée au monsieur et madame Mo. Bonjour. Nous sommes les enfants de l'école de Villers-le-Sec, en Lorraine et plus exactement en Meurthe-et-Moselle. Cette année, notre projet s'appelle Paroles en Liberté. Les paroles sont faites avec des mots et des mots, nous en utilisons déjà tous les jours, alors ça nous aide. Pour notre projet, on va lire, apprendre, écrire, illustrer des textes d'auteurs connus, comme par exemple des poèmes de Jacques Prévert. On va jouer avec les mots, les mélanger, faire des rimes, des blagues, des histoires, en inventer, les dire à l'endroit, à l'envers, les chanter. On va les mettre dans nos bouches, pour les goûter, les savourer, les recracher et les remettre en liberté. Bref, on va travailler sur les mots, et le mot « mot », on le rencontre dans votre nom de famille, alors ça nous a mis le mot à la bouche. On a décidé de demander à des gens qui ont le mot « mot » dans leur nom de famille, s'ils veulent bien jouer avec nous, répondre à nos questions, nous envoyer des mots, nous donner des idées, c'est pour cela qu'on vous écrit. On serait super heureux si vous répondiez à notre courrier, on est sûr que vous allez avoir des tas de bonnes idées. Merci d'avance pour votre aide qui nous sera précieuse. Mot final, au revoir. Les enfants de l'école de Villers-le-Sec. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes. Des mots de tête pour les charlatans. Des jeux de mots pour les artistes. Des mots d'amour pour les amants. Des mots d'amour pour les copieurs. Des mots pour mots pour les cafeteurs. Des mots savants. PS, on est impatient, on va surveiller tous les jours la boîte aux lettres. Avec cette lettre, nous avons envoyé une lettre personnelle à Delphine. Chère Delphine, pour commencer avec nos histoires de mots, nous avons inventé une petite histoire dans laquelle nous avons utilisé plein de mots où l'on peut voir les lettres mots. Un motard était sur sa moto, mais tout d'un coup, le moteur a lâché. Ensuite, il s'est acheté une motocross avec plein de motifs. Puis il est allé dans un motel pour regarder Motus à la télé. À la fin de l'émission, il s'est motivé pour chercher un métier dans le journal. Il a trouvé agriculteur, puis il s'est acheté un motoculteur. Avez-vous envie de nous aider dans notre projet Paroles en Liberté? Si vous le voulez bien, vous pouvez nous envoyer des mots rigolos qui font des jeux de mots, des poèmes. Que pensez-vous des mots? Aimez-vous parler? On serait content si vous nous répondiez. À bientôt Delphine. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots croisés pour les retraités. Et des petits mots pour les béguins. Des mots d'ordre pour les ordonnés. Des mots fléchés pour les indiens. Des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides, et le mot de la fin pour la chanson. Delphine nous a répondu, voici sa lettre. Mes chers enfants de l'école de Villers-le-Sec, vous m'avez découverte, vous avez tapé dans le mille, car je suis la gardienne des mots. Mais Motus et Bouche Cousue, les enfants, je vais vous raconter mon histoire mot à mot. Tout a commencé sur un banc. C'est là que j'ai rencontré mon mari Franck. C'est par un temps maussade, alors que je revenais de ma cueillette au Mori, que je fis la connaissance de Franck. Je me suis assise sur le banc à côté de lui. Il m'a offert une limonade, puis m'a déclamé des mots d'amour, des mots doux et des mots bleus. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une
rencontre. Ce fut le coup de foudre. Motivée, je l'ai tiré par la manche pour lui présenter ma famille. Tout d'abord, ma sœur, Animo. Ma mère, Madimo. Et enfin, mon père, Filmo. Cette rencontre fut mémorable. Grosso modo, tout le monde l'adora. Même mon chien, Hugo, un gros molosse aigri, a quitté son nounos pour lui lécher les mollets. Puis nous sommes partis en mobylette en voyage de noces. Autour de la terre, on s'est mis à rouler pour tuer le temps, notre amour comme seul mobile. Au bas mot, 20 000 km de parcouru et 3 cm. De motel en motel, que de pays visités. L'Italie, la Piazza del Duomo, le Mozambique, le Japon en kimono, la Tunisie en chameau, le MoMA à New York. Puis nous sommes revenus, de ville en hameau, de Monaco à Maubeuge, en mobilette à Molo. Tuf tuf, que d'aventure. Des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Alors, vous les marmots de vielle sec, racontez vos histoires et prêtez-vous vos plumes pour écrire des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues. Pour les poissonniers et des mouchetus pour les pas bien beaux, des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire pour les enfants, des mots tabous pour le taboulé. En même temps, elle nous a envoyé les photos de son périple plus son adresse email pour lui envoyer des nouvelles. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Elle est très belle, votre histoire. Elle s'est même cassée la tête pour nous faire une lettre avec beaucoup de mots et d'amour. Peut-être que Delphine est vraiment la gardienne des mots. Je ne crois qu'elle n'est pas la gardienne des mots parce que c'est rare que les gens nous disent des choses vraies, ils préfèrent plutôt nous faire des blagues. Bah moi je pense que Delphine c'est vraiment la gardienne des mots, parce que dans sa lettre il y avait beaucoup de mots, on entend des mots. Nous avons imaginé le scénario de la rencontre entre Delphine et Franck. Il était une fois Delphine qui revenait de la cueillette au Maury. Elle s'assit sur un banc à côté de Franck. Bonjour. Bonjour. Quel est votre joli nom ? Je m'appelle Delphine, et vous ? Moi, c'est Franck. Que vous êtes belle. Ah, merci. Que la mer est belle ce soir. Oh oui, je vous aime. Ah, vraiment ? Oui, j'aimerais faire le tour du monde avec vous. Ah bon ? Oui, marions-nous. Allez, hop, en mobylette pour faire le tour du monde. Oh, chouette. Coucou pour ma chérie, ma chérie. 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 Quelle belle histoire d'amour. En parlant d'amour, moi j'ai écrit une poésie pour Delphine. Collection d'amour et de bonheur. Pour toi, mon amour, j'ai fait une collection de mer. De beaux coquillages, le calme de la plage et les cris des mouettes. Pour toi, mon amour, j'aurais cueilli toutes les fleurs de toute la terre, pour t'en faire un grand bouquet de fleurs multicolores. Toi, mon amour, tu es le rayon de soleil qui éclaire ma vie. Tu es ma source de réconfort, et tu es comme les fleurs scintillantes du paradis. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux,
puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Jacques Prévert, il a écrit beaucoup de poèmes d'amour. Donc nous, on en a appris un et on va vous le réciter. Paris à la naille. Trois allumettes, une à une, allumées dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier. La seconde pour voir tes yeux. La dernière pour voir ta bouche. Et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela en te serrant dans mes bras. Jacques Prévert. Nous avons trouvé une autre solution avec un autre ton pour dire Paris at night. Paris at night. Trois allumettes, une à une, allumées dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier. La seconde pour voir tes yeux. La dernière pour voir ta bouche. Et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela en te scellant dans mes bras. Jacques Playville. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. Non, j'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur, mais ces mots sonnent faux. Oh, je dois tout recommencer une nouvelle fois. Baby, pardonne-moi si je fais un faux pas. Dis-tu, j'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. Non, bah, nous on invente. C'était une poésie, comme Paris at night. Trois dauphins, un à un, sautent dans l'eau. Le premier pour voir son amoureux. Le second pour voir la mer. Le dernier pour voir le soleil. Puis tous les trois sautent ensemble pour faire un cœur comme message d'amour. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos chagrins, il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors?